Bonsoir et bienvenue à tous dans un nouvel rendez-vous d'actualité 3-9 avec son nouveau compagnon Pascal Baron. Laetitia Lité, la veuve de Johnny, a retrouvé l'amour et elle devient plus forte de jour en jour. C'est après des semaines et des semaines d'idylle, les choses deviennent sérieuses entre les deux amants. La pression constante sur Pascal Baron et Laetitia, toujours scrutée à la loupe, pourrait pourtant tout faire vaciller vers le meilleur comme vers le pire. Les deux amoureux ont jusque-là fait face à l'adversité plus d'une fois au cours de ces dernières semaines, complices et discrets, ayant préféré le silence aux réponses claires. Mais la reprise du procès de la veuve du Tourlier devant le tribunal de TGI approche à grands pas. Le rythme des négociations doit s'accélérer. La priorité doit être accordée à la reprise des négociations avec les enfants naturels de John Hallyday, David et Laura, avec son lot de problèmes planant sur l'équilibre et la paix de couple. Un équilibre déjà précaire s'en est trouvé fragilisé par leur vie totalement séparée. Pascal Baron dans la capitale française, Laetitia Lité dans la City des Anges. Malheureusement, la situation sur le terrain ne laisse aucune raison de penser que les choses vont s'arranger rapidement, puisque la belle bobonde de 44 ans, qui a demandé une green card, pourrait devoir déménager aux États-Unis pour respecter les conditions d'éligibilité trop strictes de la loi californienne. Laetitia Lité risque cependant de voir son rêve s'envolait en fumée. La raison, ses voyages réguliers et prolongés à Paris et Saint-Barthélemy. Le couple est-il suffisamment incassable pour supporter l'éloignement et la pression de la vie à Paris, mais aussi la forte pression médiatique qui pèse sur leur relation amoureuse? Selon des sources proches de la belle Hollande et son restaurateur, ce dernier vivrait mal les regards indiscrets qui préserve son intimité et les projecteurs braqués en permanence sur le couple. Heureusement qu'il y a la famille et les amis qui sont là pour apporter leur soutien indéfectible et aider le couple à en prendre conscience. C'est la fin, à très bientôt.